Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui enfin pour tester le fameux tartare avec Riposte, sa toute nouvelle attaque exclusive de Community Day qu'on va jouer du coup en format hyper. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que mon Community Day s'est très très bien passé puisque j'ai eu le tartare 100% pour le format hyper. J'ai déjà d'ailleurs aussi eu le tartare 100% pour le format super, ça fait extrêmement plaisir. Mais le truc, c'est que j'ai pas eu le temps de bien farmer. Du coup, à la base, je voulais vous faire une team aussi avec Tarpo. Le problème, c'est que j'avais pas assez de Bomboel, et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que ma team elle est plutôt vénère puisque c'est dommage que j'ai pas mis mon Noctalie qui est aussi 100% pour le format hyper, parce que j'ai aussi dans cette team le fameux Dracaufeu 100% pour le format hyper, et en dernier Pokémon un Viridium qui pour le coup lui a des IV quand même assez mauvaises pour le format hyper. Ceci dit, vous voyez que c'est quand même une team qui coûte assez cher, hein, entre le Tartare qui a une CT d'élite immédiate plus maxé un peu avec des Bomboel, le Dracaufeu qui a deux CT d'élite, le Viridium qui a une CT d'élite plus le fait que c'est un Pokémon légendaire, autant vous dire que la team elle coûte un peu cher. Et c'est une team que j'ai plutôt bien aimé tester. Alors de base je jouais cette team avec comment il s'appelle, Kaymorse en lead, mais bon bah pour cette vidéo j'ai voulu jouer un peu Tartare, et Tartare c'est un Pokémon que j'aime plutôt bien, même si vous allez voir que je le trouve quand même un peu lent avec son riposte ébullition. Bref, du coup je me retrouve face à un lead Deoxys, un lead qui nous met pas trop bien puisque Deoxys bien entendu il a accès à Tonnerre qui peut détruire mon Tartare, en plus d'avoir tout simplement Psycho Boost. Et en plus de ça, il peut aussi avoir éboulement. Là, pour le coup, en l'occurrence, il a éboulement, donc très certainement qu'il a voilà Psycho Boost en deuxième attaque chargée. Et du coup, éboulement, bien entendu, ça va embêter notre Dracaufeu. Donc, j'ai tout simplement décidé de rester, quitte à claquer tous mes shields directement sur ce Pokémon-là. Et hop, on va voir est-ce que le Psycho Boost peut me tuer. Il est quand même à moins 2 en attaque. Regardez, c'est quand même assez ridicule. Derrière, du coup, il a décédé et l'adversaire qui va envoyer son Fenard Alola, un Pokémon très sous-estimé, je trouve, en format hyper. Hop, je vais directement envoyer mon Dracaufeu. Alors, Fenard Alola, qui me pose aussi pas mal de problèmes, hein, au final. Quand on regarde ma team, le type fait, je le gère que avec mon Dracaufeu. Heureusement, l'adversaire qui ne casse pas de shield. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, là, quand je vois arriver le Ronflex en dernier Pokémon, je suis en mode... Oh, c'est bon, ça va le faire. Hop, le Rafale-feu qui a bien temps de partir. Derrière, on va tenter de faire une Dracogriffe. Malheureusement, je vais pas avoir assez le temps. Mais bon, l'adversaire, il lui reste plus qu'un shield. On est sur du Ronflex obscur. Moi, j'ai un Viridium. Alors, Ronflex, il a accès à séisme. Je sais pas s'il a accès à un truc genre ultra laser. Je pense pas. En tout cas, paf, la lame simple qui va partir dans Yoshi, bien entendu. Et derrière, on va se prendre une attaque. Alors, est-ce que c'est le fameux Ronflex Ultra Laser? Non, hein, c'est bien entendu plaquage. Et d'ailleurs, Viridium, c'est un Pokémon que j'aime plutôt bien parce qu'il tank pas mal les attaques. Alors là, vu que je suis un peu teubé, je pensais que le Deoxys n'était pas encore mort. J'avais pas capté le fait qu'il était déjà mort. Donc je me suis chargé deux attaques chargées au cas où, mais au final il était bien décédé, et ainsi le Ronflex va décéder. Alors par contre, le petit problème avec Viridium, c'est que je trouve qu'il a des ongles au niveau de ses pieds qui sont assez immondes. Je vous redirai ça quand on aura un gros plan. Bref, deuxième combat où cette fois-ci on se retrouve face à un lead Dracaufeu, et là vous voyez quand même que je mets un peu de temps à charger mon ébullition, parce que bah, mine de rien, un Tartare riposte ébullition, c'est moins rapide que Dracaufeu, Cruel, Rafale-feu. Alors vous allez me dire que Cruel c'est quand même plutôt fort, effectivement c'est le cas. Vous allez me dire que Rafale-feu aussi, effectivement c'est vrai, maintenant que vous le dites. Mais enfin bon, bref, alors ébullition ça... Ah, j'ai peur de vous dire des bêtises, attendez, je vais regarder. Je crois que c'est 30% de chance de baisser l'attaque, mais j'ai un doute. Hop, derrière ça va envoyer le Bagaïd. Alors je vais envoyer directement le Dracaufeu. Et là je suis en mode, putain, j'ai complètement merdé. Pourquoi ça? Parce que j'aurais pu tout simplement envoyer mon Viridium, dans le sens où Viridium résiste littéralement à toutes les attaques de Bagaïd. Enfin bon, il résiste pas à toutes les attaques, mais il résiste à ses attaques ténèbres. Bref, du coup je vais faire une grosse Rafale-feu. L'adversaire qui va renvoyer son Dracaufeu, est-ce qu'il va nous faire directement Rafale-feu? Rafale-feu ça nous tue, hein, cette range. Mais au final non, il va nous faire directement une petite Dracogriffe. Et nous, derrière, on va pouvoir faire encore une Dracogriffe. Et du coup, ébullition, ça met combien de temps? Hop, on va décéder. Mais regardez, il reste deux shields des deux côtés. Hop, je vais pouvoir faire un petit point glace tranquillement. 30% de chance de baisser effectivement l'attaque d'adversaire, ébullition. L'adversaire qui va se laisser mourir. Et le dernier Pokémon qui n'est autre que...
l'artichaut. Et là, je suis en mode, ok, c'est un peu chaud. Mais si là, il casse un shield, peut-être que ça peut passer. Il casse pas de shield. Et là, je suis en mode, ok, en réalité, je peux peut-être le tuer à l'attaque immédiate. Par contre, s'il me fait rapace, je suis dans la merde. Une chance sur deux, je casse un shield. Effectivement, il me fait rapace. Et là, la baisse de défense fait que je l'aurais tué à l'attaque immédiate. Et du coup, j'ai gagné ce combat. Mais en réalité, s'il avait fait l'âme feuille, bah, j'avais complètement perdu, hein, je pense. Donc, c'est assez terrible. Ah, je sais pas si j'aurais perdu. Il était quand même vraiment bas en termes de PV. En tout cas, hop, troisième combat où cette fois-ci, je me retrouve face à un Giratina. Et là, vous allez encore plus comprendre ce que je voulais dire sur le fait que Tartar est quand même un peu lent, je trouve. C'est que, bah, malheureusement, hein, regardez les dégâts que je me suis pris. Alors, le petit lag, hein, qu'on embrasse, bien entendu. Et au final, bah, j'afflige quasiment autant de dégâts sur le Giratina que lui ne m'en inflige. Après, bah, du coup, forcément, riposte, hein, c'est double résisté par Giratina et son type spectre, bien entendu. En tout cas, hop, le point glace qui va partir et qui fait quand même de bons dégâts. Après, bah, je dis ça, c'est quand même un Giratina, c'est quand même un Pokémon défensif, patati patata, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hop, Dracogriff qui va partir, bien entendu. Le point glace qui va partir, est-ce que ça va suffire à tuer le Giratina? J'ai très peu de doutes, mais de toute façon, l'adversaire, il va tout simplement casser un shield, et du coup, nous ne le saurons sans doute jamais. Mais si je l'avais tué, ça aurait été de... Enfin, si je l'avais pas tué, ça serait pas grand-chose, en bref. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, l'adversaire qui va envoyer son petit Kemorse, et je vais décider d'envoyer mon Viridium. Pourquoi ça? Parce que Viridium peut absolument rien faire face au Giratina, et en plus de ça, j'ai l'avantage d'avoir un Dracaufeu un peu chargé en énergie, donc je me dis pourquoi pas, hop, derrière, regardez, on va faire des bons dégâts, surtout que je vais tanker... une stalactite, alors ça va faire quand même un peu de dégâts, mais ça va, et d'ailleurs je vais essayer, à la base j'étais en mode, ah vas-y je vais essayer de tuer l'attaque immédiate, au final je me rends compte que ça va pas être possible, du coup hop, la petite lame feuille qui va partir, et l'adversaire, est-ce qu'il va renvoyer son Giratina, ou est-ce qu'il va nous montrer c'est quoi son dernier Pokémon, et ben il va nous montrer directement que son dernier Pokémon n'est autre que Flambusa, et là je me dis, heureusement que j'ai envoyé mon Viridium, puisque ce Viridium, il a l'âme sainte, hein, il n'a pas... L'âme de rock, alors des fois je suis vraiment tenté de retirer l'âme sainte pour l'âme de rock, le problème c'est que l'âme sainte c'était d'élite, donc bon t'as pas vraiment envie, là encore une fois, une chance sur deux, est-ce qu'il me fait rapace? Je vais casser un shield, il me fait rapace, et derrière normalement je devrais pouvoir le tuer à l'attaque immédiate, alors là il faut espérer quand même que le Giratina, il a pas, comment ça s'appelle, pouvoir antique, mais au final il ne l'a pas, et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement essayer de le tuer à l'attaque immédiate pour avoir... suffisamment d'énergie pour avoir, enfin pour tout simplement tuer le petit Flambusard. Hop, Dracogriff numéro 1. Il faudra deux Dracogriffs. En finale, j'aurais pu clairement faire. Ah oui, non, mais je l'ai pas fait parce qu'il avait encore un shield. Je vais envoyer le Viridium quand même. Et derrière, hop, Dracogriff numéro 2. J'ai envoyé le Viridium au cas où il me fasse une attaque chargée. Et regardez le joli poil du cul du Dracaufeu qui est quand même assez magnifique. Quatrième combat, et je vous ai toujours pas montré les ongles de Viridium, c'est quand même assez terrible. Je me retrouve face à un lead Roucarnage, encore une fois, un lead un peu chiant, mais on a point glace, hein, donc on reste et on va essayer de tataner. Surtout que bah, Roucarnage, c'est encore un Pokémon qui me fait un peu peur, hein, par rapport à ma team. Viridium, on rappelle qu'il a une double faiblesse vol. Danseplume qui va partir. Et qui va bien entendu me baisser mon attaque. Et on va refaire point glace tout simplement. L'adversaire qui va encore casser un shield, du coup il n'a plus de shield. Et là ce que je vais faire c'est que je vais casser mon dernier shield pour pouvoir faire un point glace. Et après bah, tout simplement on se doute bien qu'on va cesser mourir. Ça sert à rien en fin de compte d'essayer d'envoyer Dracaufeu là-dessus en mode essayer de catch, le danse-plume, machin, tout ça. Ce sera quand même un peu dommage. Hop, derrière, on va essayer de faire quand même le point glace. Malheureusement, bien entendu, ça ne va pas passer. Et on va se laisser mourir, hein, malheureusement. Et non, on ne va pas mourir. Du coup, je vais directement envoyer mon Dracaufeu. Et malheureusement, il va me faire une attaque chargée. Est-ce que ça va être danse-plume? Non, c'est rapace. Et autant vous dire que ce combat, il commence extrêmement mal. Regardez, Roucarnage, il m'aura mis deux Pokémon dans le rouge. Voilà, tout va bien. Mais heureusement, ne vous inquiétez pas, il me reste mon Viridium. Et là, vous allez voir la puissance de Viridium, mesdames et messieurs. Hop, derrière, bon, on va devoir laisser mourir, bien entendu, le Dracaufeu. Et let's go, c'est parti, mon ami. On va envoyer le Viridium. Et attention, restez focus, puisque nous allons voir les ongles. Regardez ses ongles, c'est horrible. C'est les mêmes que les miens, mais en noir. Ah, mais il a... En plus, du coup, c'est ultra stressant, parce qu'il a 4 ongles. Enfin, il a juste un ongle par pied, quoi. Et du coup, l'adversaire, il va nous révéler que son dernier Pokémon n'est autre que... Ixon. Alors je me suis dit, ok, il a fait ça, pourquoi ça? Parce que, bah tout simplement,
Il a un point glace de près sur son, comment ça s'appelle, sur son tartare, et du coup ça va être un peu chiant. Du coup j'ai essayé de switch pour catch directement l'attaque. Malheureusement ça passe pas. Est-ce que point glace peut nous tuer? Et au final, bon, ne vous inquiétez pas, c'est un tartare avec hydrocanon. Alors point glace ne nous aurait pas tué. Par contre je pense qu'il aurait eu le temps de faire un point glace avant, hein, donc je pense que s'il avait eu point glace, ça aurait été plus compliqué de gagner en tout cas ce combat. Mais le plus important, c'est que j'ai réussi à vous montrer les ongles de Viridium. Et du coup, on arrive déjà au dernier combat de la vidéo, où cette fois-ci, on va essayer de vraiment de faire briller le Tartare. Alors, une des grosses faiblesses, hein, de ma team, c'est bien entendu la faiblesse électrique. Et du coup, ça tombe bien puisqu'on tombe sur un lead Pharente qui a et les canons, et regardez le et les canons qui ne m'a pas baissé mon attaque, et ça, ça fait plutôt plaisir. Derrière, ça envoie Cresselia, et là, vous savez, c'est un peu le genre de début de combat où t'es en mode, ok, bon, j'ai perdu, je vais rage quit, mais on est là pour faire des vidéos, pour gagner de l'argent sur YouTube, donc j'ai décidé de rester, et on va, bien entendu, bah, laisser mourir, hein, le Viridium, ça sert absolument à rien de le garder. Derrière, on va envoyer tout simplement le petit Dracofeu pour essayer de se charger en énergie. Alors, on a vu aussi que c'est un Cresselia pouvoir lunaire, donc a priori, pas un Cresselia préscience, qui nous mettrait, pour le coup, vraiment dans le blague. Je pense que s'il avait eu préscience, je vous cache pas que j'aurais très certainement rage quit en disant oui, la YouTube money au final, est-ce que c'est si important? Hop, j'ai réussi à me charger un peu en énergie, ça c'est très cool. Derrière le rafale feu, on a loupé une petite boulette, hein, le doigt unique, bah, qui a loupé la boulette malheureusement. Et il va nous montrer directement qu'est-ce que c'est que son dernier Pokémon qui n'est autre que Ixon. Alors là, on pourrait se demander, hey, pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé son Pharente? Je pense tout simplement parce que bah, son Ixon, il ne servait pas à grand-chose. Et surtout que, bah, s'il a envoyé son Ixon, c'est simplement pour me décharger en énergie. Mais dans ces cas-là, il aurait pu ne pas casser de shield. En tout cas, ébullition qui va partir. Et là, pour le coup, ébullition qui a fait d'énormes dégâts. J'ai réussi à faire une petite riposte. Du coup, je sais qu'il est tué. Et là, il ne lui reste plus qu'un pauvre petit Ixon. Je résiste à toutes ces attaques ténèbres. Au final, je vais casser un shield parce que je sais que de toute façon, mon Tartare peut très très bien gérer le Ixon. On va refaire ébullition. Vous noterez que j'ai pas eu de baisse d'attaque, hein, avec ébullition dans cette vidéo. Ça, c'est une habitude de Rutra, hein, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Hop, derrière, est-ce que je vais mourir du coup de croix? Eh bien, non. Et regardez le point glace qui va tout simplement suffire à terminer le Ixon. Donc, au final, Tartare, alors oui, alors je vous ai dit, oui, le Pokémon, il est peut-être un peu lent quand même avec Riposte, machin. Effectivement, moi, je le trouve un peu lent. Ceci dit, c'est parce que j'aime bien jouer des Pokémon assez rapides, genre, genre Noctalie par exemple, ou Kemorse, hein, que je joue normalement à sa place. Mais clairement, c'est un Pokémon extrêmement fort. J'ai vu qu'il était dans les 10 meilleurs en format super, dans sa forme obscure. Du coup, j'espère que vous avez eu un bon Tartare pour le PVP pendant ce Community Day. C'est un Pokémon qui vaut le coup et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est un Pokémon que j'aime plutôt bien. Et d'ailleurs, je jouais beaucoup à une certaine époque en format hyper et ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué. Donc ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas où vous pouvez mettre le fameux pouce, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, lien en description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. Et sur ce, moi je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Salut les amis!